Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'eau. Bonjour Lélia, que fais-tu? Bonjour Amy, vous êtes au bon campus. Bonjour Amy, pourquoi? Tu vas bien? Il s'est dit que tu es vendredi à venir. Bonjour Dion, parfait. C'est son 25e anniversaire. Oh oui, j'ai presque oublié Amy. Tant pis. Alors, je vous invite tous les deux à la fête, le conchonvi, à Disney. C'est cool. Mettons un anniversaire dès le 14 janvier, non? Mais oui. Est-ce que je vous parle de concert de mars? Oh, à la baisse. Oui, il a raison. Et elle a une belle. En fait, il est revenu le jour de mon anniversaire. Je vois, à cette époque, que les personnes de célébrer le débat. Vous faites, quel temps pour votre fête? Bonne question. Je ne vais pas célébrer ce sabine. Bien sûr, le thème de ma fête. Elle est rose, et elle est bleue. Mais ce sont mes couleurs préférées dans ma main. C'est vrai, je n'en reviendrai pas. Parce que je suis ballon. Horoscopes sont amusants à lire. Je ne suis pas sûr, mais c'est un signe qui définit votre personnalité, n'est pas. Oui, apparemment, les couleurs définissent aussi les personnalités. Pas étonnant que vous soyez toujours cool et calme. Et moi alors, peux-tu définir mes personnalités? Est-ce que ça sont comme moi? Capricorne sont des gens très diligents. Est-ce que vous êtes qui possédez un virus et organisez? Je pense que oui. Ça sent bien. Ça marche, la garçon. Je dois y aller. À bientôt. Merci et au revoir. Merci, ami. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment, jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.